Et on se retrouve pour la Space Time et on va attaquer tout de suite. Allez, Nara contre quoique. L'autre combat c'est quand même un guild 2, donc ouais, je vais essayer de soutenir Mulu. Alors, oula, on est en x3 de combativité. Ouais, non, on a juste 1 million d'écart. 1 million, ça va. C'est compliqué, mais bon. Aïe, 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 dommage. D'un groupe C, je crois. Nara contre Hisoka. Donc avantage Nara, bien évidemment, au vu de la combativité, et également au niveau des compositions. C'est vrai qu'il joue son Madara en P3, lui. Okay. Quand même assez surprenant. Mais j'imagine qu'il met les Okazuzu ici dans l'espoir qu'il meure le plus rapidement possible. Et ensuite, il y a le Madara qui prend entre guillemets le relais. Et tout de même, le jouer P3, c'est audacieux. Finalement, c'est Nara qui l'emporte. En respectant un petit peu les pronostics de base. Au niveau du groupe, ouf, alors qu'est-ce qui se passe? J'ai pas l'impression qu'il y ait des... Oh, lui, si. L'eau contre Alex. Un bail, je crois. Ou Hubert. Ok. Avec la composition Naruto, le Hashirama et le Jiraga. Et de l'autre côté, on a l'eau avec... un désavantage en compatibilité, mais avec un Shisui. Et le principe de Shisui, c'est que si jamais tu ne joues pas contre un Shisui, tu peux gagner face à un x2 en combativité. Donc un ninja solide en somme. Est-ce que Naruto va avoir le temps de screen un petit peu? Et pour l'instant, c'est très résistant du côté d'Alex, mais Shisui, ça gratte, ça gratte, ça gratte. Et à chaque fois qu'il fait une action ou qu'il subit une action, il prend tout de même 6% d'attaque et de ninjutsu. Alors assez importante. Tandis que le pauvre Naruto a un peu moins d'opportunité d'augmenter son ninjutsu. Des autos, mais aura-t-il la possibilité? Et tour 2, allez Alex, faut que tu lances l'ulti. Yes, let's go. Ok, ça joue, ça joue, ça joue. Ça essaie de faire au mieux. Oula, les dégâts de commotion ont été pas mal du tout. J'ai l'impression que l'ulti Shishui est parti dans le. Dans le Hashirama. Ok. Et pour l'instant. Pour l'instant, le Uzen tombe. Attention. Oh, le Naruto. Ouh là là. Il a assez de points de vie. Mince, il a pas eu assez. Non. Et donc là, du coup, il faut qu'Alex réussisse à retirer suffisamment de points de vie. Du Shisui, est-ce qu'il y a un moyen de ressusciter quelqu'un? Non. Mais c'est un Shisui face à un Hashirama et un Jiraiya. Je crains que ce ne soit pas suffisant.
Ah, puis il avait regagné beaucoup de points de vie. Avec le plan vampirisme lié à l'ulti. Alex qui donne tout. Oh! Il a pu finalement lancer son ulti, lancer la barrière. Ça peut permettre de le faire revenir éventuellement. Ouais, je lui dis ça donne une attaque, mais du coup ça donne une attaque également au Shisui. Ah mince, du coup vu qu'elle a fait une poursuite, il a pu enchaîner sur une seconde auto. Et finalement c'est l'eau qui l'emporte. Je crois qu'on est à peu près au niveau du groupe E. Cassiandre. Je veux pas d'adversaire. Par contre, 50 nuances contre Mousti. Là c'est le Ashura qui fait la diff. Ok. Il y a eu beaucoup d'exécutions qui sont passées par le Ashura vu qu'il n'y a plus il n'y a plus que deux corps sur le terrain. D'accord, 7 minutes. Ouais. Au niveau du groupe G, est-ce qu'il y a eu de l'action? Ah, peut-être entre Kara et Keizo. Ah oui. Ça va peut-être partir cette histoire. Wawan. Allez. Allez, on va encore. On court. Ah. J'aime beaucoup les. J'aime beaucoup Keizo et. Kara est un membre du groupe, donc mon cœur balance. Comme meilleur gain, tout simplement. Au niveau de la combativité, la Kaizo a l'avantage. Oh, ça va être compliqué, ça va être tendu. C'est un compte de cette qualité à l'avantage. Ça va être compliqué, compliqué. Ok, Kakuzu qui tombe directement. Le Menter aussi. Et Madara va-t-il s'arrêter? Ok. Au second tour, il va y avoir un tour Birama qui va être invoqué. Afin de participer un petit peu à la fête. Ok. Kenaito qui va s'élancer. Oula! On aura plein de Tobirama. Tobirama va interrompre Naruto. Aïe 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 aïe. Catastrophe du coup. Et ouais, je crois qu'il peut pas lancer l'ulti. Il faut qu'il fasse une auto avant. Donc compliqué. Oh, le Naruto qui tombe. Et le Madara avec la seconde poursuite de Madara Jubi. C'était couru d'avance. Bah d'accord. Ah, c'est quand même. Il y a bon dégâts quand même. Ok, alors au niveau du groupe B, est-ce que. Bah, 5 minutes 10. Si je vois des trucs qui. Pardon, des combats qui ont 5 minutes 10, on peut raisonnablement se dire que. Il n'y aura pas de combat. Il n'y aura pas de match, quoi. Ok, ok. Au niveau du groupe G, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Au niveau du groupe H. Ok. Attendez, laissez-moi consulter ça avant. J'avais. Je l'ai déjà vu cette page. Et donc, du coup, voilà. Je pense qu'il n'y aura pas davantage de matchs ce soir. Et qu'est-ce qui va se passer pour les prochains jours? Donc. Oula. Oui, c'est bien cet Izuna-là. Donc, bah, ok. Du coup, si on va affronter Izuna au prochain round.
Et ça risque de, comment dirais-je, d'être rapide. Mais ça va pas faire plaisir, quoi. Et bon, après, sinon, de toute façon, j'étais bloqué par Ishii pour la suite des opérations. Donc, bon, moi, ça va. Eh bien, d'accord. J'espère, du coup, que la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt.